cas, tu me diras ce que tu voudras, mais moi je trouve ça bizarre que Charvet nous ait demandé de retravailler Tragédie. Ah, écoute, tu te poses trop de questions. Eh, dis donc, et si ça lui plaisait, hein? Si on pouvait la jouer. Nous serions des auteurs à succès. J'avais pas pensé à ça. Mais dis donc, regarde ça. Ben oui, j'ai bien vu. Oh là là. Ça, c'est sûr que j'avais pas pensé à ça. Elles sont mignonnes, hein? Bonjour. Salut. Dis-moi, mais on aurait toutes les filles à nos pieds. Jérémy, est-ce que je pourrais avoir un rôle dans ta prochaine pièce? Bah écoute, ça dépend de toi, ma jolie. Enfin, oh, faudrait qu'elle sache jouer un minimum quand même. Ça n'a pas d'importance, les jolies filles, on les regarde, on les écoute pas. Ah ouais? 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 Même au théâtre? Ah oui, non, bon, d'accord, ah bah. D'accord. Ah bah oui. Faut qu'elle sache jouer un peu, hein, c'est sûr que. Mais elles sont pas censées savoir qu'être retenues au premier tour d'un casting, ce n'est pas forcément. D'avoir le rôle. Ah, ça, je te reconnais bien là. La différence est subtile. Non, utile. Pour nous. Bon, allez, t'es prêt? Non, c'est bien. Faut se préparer, hein. Prêt? On va y aller maintenant, hein. Allez, passe devant, vas-y. Eh oui. Salut. Ah, salut. Ah, salut. Salut, Julie. Ah, salut, Marie. C'est bien ses cheveux comme ça. Merci. Dis-moi, t'as 5 minutes, il faut qu'on parle toutes les... Non, j'ai un truc à vérifier. Très important. Bon, bah, je t'écoute. Voilà, c'est à propos de Benoît. Il faut vraiment que tu mettes les choses au point avec lui. Comment, je comprends pas. Bah, tu vois, sans le vouloir, tu empoisonnes ma vie parce que il est fou de toi. Marie, j'ai déjà eu mes 4000 conversations avec lui. Faut croire que t'as pas été assez claire, hein. Ou bien que tu aimes le voir transi d'amour pour toi, je sais pas, mais là... Mais non, au contraire, cette situation, c'est insupportable. Mais alors dis-le lui. Et pas forcément en prenant des gants, je sais pas, mais... Je préfère qu'il y ait un vrai chagrin d'amour plutôt que de faux espoirs, tu comprends ça? Marie, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ce que j'ai déjà fait? Ok, excuse-moi, je suis un peu agressive, mais... C'est pas grave. Comprends-moi, je suis vraiment mal, Julie. Tu sais, tu m'as rendu la vie une fois. Ok, merci. Mais ne me la reprends pas, s'il te plaît. Marie, moi, je veux bien faire ce que tu veux, mais tu sais... Et à force de vouloir ménager Benoît, tu le laisses croire à l'impossible. C'est ridicule. Et tu l'aimes pas, hein? Mais non, je l'aime pas. Alors? Écoute, moi, je crois que tu t'inquiètes pour rien. Benoît est avec toi, non? Ouais. Ouais, il s'endort dans mes bras et il murmure ton nom dans ses rêves. C'est charmant. Le voilà. Jure-moi que tu le rejetteras définitivement. Jure-lui. Oui, mais attention, le voilà. Salut. Salut. Bonjour. Ça va, bonjour. Bon, bah, plus tard. Ouh, je suis là. Excuse-moi. T'es partie toute seule ce matin sans m'attendre? Ouais, j'avais un truc important à régler. Et c'est fait? J'espère bien que oui. Puis, tu n'as pas que Christian comme élève. Ah bah, c'est le seul qui soit vraiment doué, hein. C'est facile de faire joujou avec les bons. Notre rôle, c'est de rendre les mauvais meilleurs. Ah, c'est pour ça que tu t'occupes de Julie? Oh, il s'agit pas de Julie. Oui, bah, c'est sûr que si on parle d'acteur, il me parlait de Christian. Tu m'énerves. Je connais bien ton Christian. C'est drôle, dès que je te parle de lui, tu me fais penser à moi quand tu me parles de Julie. Arrête, je t'en prie. Oh, regarde, il y a ta guimauve. Bon appétit. Salut les filles, ça va? On y va? Ok. À plus tard. Salut. Agnès. Ah, bonjour. Tu vas bien? Toujours quand je te vois. Toi ou moi, tu as l'air de me faire plaisir. Ah, mais je n'en demande pas plus. Et je n'en espère pas moins. Marie, regarde Christian. Il sourit. Il va pleuvoir des croissants chauds. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas en te regardant toi que je risque de sourire. Bon, ok, on y va. Viens, Benoît. Mais attends, attends une minute. Il me fait pas peur, tu sais. Oui, mais on a cours. Quel petit crétin, celui-là. Bon, laisse. C'est un gamin. Ah oui. Bon, eh ben, c'est l'heure. Je vais essayer d'apprendre 2-3 petites choses à mes souliers. Agnès, est-ce qu'on pourrait se voir tranquillement tous les deux? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu... Bah, je sais pas, après le cours? Très peu de temps. Bon, bah, disons 22 heures au café. Ok?
Merci, madame le professeur. Je vous observe depuis un an et demi. Vous avez les qualités nécessaires pour mettre en scène. Vous saurez diriger les acteurs. Écoutez, je ne sais pas trop. Mais moi, je sais. Vous ferez ça très bien. Et puis, vous y prendrez plaisir. Je l'ai vu tout de suite. Je ne me trompe jamais. Ou presque. Alors, tâchez de ne pas faire partie du presque. D'accord? D'accord, c'est entendu. En tout cas, j'essaierai. Et j'essaierai surtout de suivre vos conseils. Tâchez surtout de suivre votre intuition. Bien, monsieur. Oui! Ah, voilà, entrez. Eric, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui l'ai convoqué. Alors, vous avez travaillé, vous avez corrigé Tragédie? Oui. Bah, tenez. Mais c'était pour quoi faire? Merci. Pour faire mieux, d'abord. Ensuite, j'ai l'intention de proposer cette pièce à mon ami Robert Taquet pour son théâtre. Non! Sans blague, sérieusement? C'est génial, ça c'est génial. C'est curieux. Vous écrivez mieux que vous ne parlez. Ah non, c'est l'émotion. Oui, ça. Est-ce que ça vous a plu? Bien entendu! Non, j'ai lu tous les projets des élèves et je trouve que votre pièce est sans doute la meilleure. J'en étais sûr. Ne vous emballez pas. Au royaume des aveugles, les borgnes sont sourds. C'est pas drôle, ça. Hein? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ah oui, ils sont. Bon, il manque encore un dossier sur les grandes lignes de mise en scène et la distribution. On va vous faire ça tout de suite. Il n'y a pas de problème, on vous fait la mise en scène nous-mêmes et la distribution des rôles comme ça. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, non. Je pense confier la mise en scène à Eric. Eric, pourquoi? Mais il sera parfait. Je crois qu'il est très doué pour la direction d'acteur. Il fera la distribution. Non, c'est l'autre pièce. Oui. Justement. À propos, pour le rôle de Truffaldin. Truffardin. Oui, je verrai bien Christian. Ah non, là, il y a des limites. Faut quand même pas pousser. Bon, Eric, passe encore. Mais Christian, non! C'est un merveilleux comédien. Non, vous rendez pas compte, hein. Non, mais c'est un sale emmerdeur, ce mec. Ça vous portera chance. Non, je crois que je ne me suis pas très bien fait comprendre. Quand je parle d'Eric et Christian, ce n'est pas une suggestion. C'est une condition sine qua non. Il y a des jours où j'aimerais jamais avoir appris le latin à l'école. Ça veut dire que soit on accepte, soit on peut garder notre pièce, c'est ça? En termes peu diplomatiques, c'est ça. Mais enfin, monsieur Charvet, essayez de nous comprendre. On n'a rien contre Christian, personnellement. Simplement, on le déteste. Et il nous le rend bien. Et toi, dis quelque chose, Eric. Oui. Sûrement pas. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose qui pourra vous servir pour votre carrière. Si toutefois vous en faites une. Si je n'avais dû jouer qu'avec des gens que j'aime, j'aurais très peu joué. Monsieur, on ne pourrait pas quand même en réfléchissant à propos de Christian? Non! C'est bien ce que je pensais. Il y a encore quelques détails techniques dont je dois vous faire part. Charvet m'a laissé entendre que notre projet n'était pas retenu. Ouais, bah de toute façon, c'était pas très bon. Alors, si t'avais mis un peu plus d'ardeur à y travailler aussi. Quoi? T'exagères, j'ai pas arrêté de t'aider. Ah bah justement, t'as fait que m'aider. T'as pas été du tout partie prenante de l'histoire. Ouais, bon, t'avais qu'à le faire avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Oh non, mais là, tu m'ennuies, là, tu m'étouffes. Benoît! Ah là. Ça, c'est le commencement de la fin. Dès que ça sent la charogne, le vautour rapplique. Mais console-toi, Marie. Benoît n'est qu'un pauvre type. Mais faut croire que j'aime bien les pauvres types. La preuve, je t'ai aimé, toi. Non. C'était pas de l'amour. C'était de l'admiration pour mon talent. Mais tu sais, c'est pas en te frottant à moi que tu vas mieux réussir. Si j'avais fait 1m95, je t'aurais refait le nez façon Picasso. Si tu avais fait 1m95, je t'aurais pas parlé comme ça. Ouais, et en plus, t'es lâche. Non, réaliste. Non, mais vraiment, tu la mérites, la baffe de l'année, là. C'est toujours pas toi qui risque de me la coller, non? Peut-être pas une baffe. Aïe! Pour ça. Ça va pas, non? Ah si, au contraire, là, ça va beaucoup mieux. Oh, laissez passer les génies, pardon, là. Pardon, allez, oh là là. Pardon, excusez-moi. Ah, au fait, Christian... Oui. Quoi? Non, rien. Non, les grouilles, on va l'annoncer, hein. Allez. Ça, ils sont fous, ils sont tous. Christian, je crois que tu devrais venir au café, ça te concerne. Oui. Ce qui me concerne m'intéresse toujours. Allez. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tombé dans l'escalier. C'est sympa de se retrouver tous les deux, non? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air gêné, tu fais des mystères. Tu veux me parler, tu ne dis rien.
Ah, je sais, tu n'oses pas m'avouer ton amour, c'est ça? C'était pour rire, c'était pour rire. Ok, c'est pas drôle. Benoît, je voudrais que tu comprennes. Il ne peut rien se passer entre nous parce que... Oh non, tu vas pas recommencer à me dire que tu ne m'aimes pas, c'est trop dur à supporter. Alors dis-moi une chose, en toute franchise. Tu l'aimes, Marie? Eh bien, ça dépend des jours. Il y a des moments où j'aimerais être très loin d'elle et certains soirs, elle est tellement émouvante, je sais pas, à vrai dire. Je peux pas te dire. Tu sais, Benoît, je crois qu'il est temps que tu te mettes un peu à mûrir. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si tu aimes Marie, il faut que tu te consacres entièrement à elle, sans penser à une autre. Tu me brises le cœur et tu me fais la morale. C'est beaucoup, quand même. Non, mais je te fais pas la morale, mais... Tu vois, Marie, elle est malheureuse, et puis toi, tu... Elle te l'a dit? Non. Non, ça se voit, c'est tout. Elle est venue se plaindre à toi? C'est de ça dont vous parliez toutes les deux ce matin? Non. Bon, c'est pas la peine de mentir. Oh, et puis tout ça n'a pas de sens. Marie est malheureuse, je suis malheureux, et toi, t'es aussi froide qu'un bac à glaçons. Quoi? Je vais te dire, Julie, dans le fond, Marie a raison de m'en vouloir. Elle est l'amour. Et je suis fou de ne pas être auprès d'elle. Tu t'énerves? Mais parce que tu pars, tu fais la morale, tu parles et moi je t'écoute comme un idiot. Tu viendras me parler d'amour quand tu sauras ce que c'est. Allez, salut. Remballez vos espoirs, les amateurs. Oui, on remporte le premier tour des sélections et comme on était les seuls en finale... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a... il y a tragédie. Oh, vous exagérez, c'est juste un drame pour la littérature. Ah oui, super, très drôle. Hein. Mm. Enfin, tragédie est sélectionnée et après mûre réflexion, nous avons désigné Eric pour faire la mise en scène de notre chef-d'œuvre. Bah oui, bon, on va lui expliquer ce qu'il faut faire. Non, merci, vous êtes bien gentil, mais le metteur en scène, c'est moi. Alors, nos projets, c'est terminé? Ah non, non, pas tout à fait. Non, il y a encore l'atelier de fin d'année. Tragédie remporte simplement une semaine de représentation gratuite. Oh, je trouve ça normal, c'est une pièce qu'il mérite. Vous avez remanié le texte un peu, là? Oui, on l'a amélioré, hein. Et vous avez fait la distribution? Bah justement, il y a un lézard. Oui, il y a un gros lézard dramatique. Il veut que Christian joue Truffartin. Ah oui, c'est donc moi le lézard. Oh, Christian, comme tu as de grandes oreilles. Oh, non, voilà. Ne vous affolez pas. Gardez-le, votre rôle. Je vais pas gâcher mon talent avec des écrivaillons lobotomisés. Loboto quoi? Vous avez un dictionnaire, là, parce que... Non, moi non. Hein. Vous avez vu ça? Vous avez réussi à le vexer, là. Oh. Attendez, il faut qu'une chose soit bien claire. Christian jouera parfaitement ce rôle. C'est sûr que pour jouer un rôle de méchant, malheureusement, il aura pas à se forcer. On dirait même que vous avez pris Christian comme modèle pour Truffardin. Ah, ça n'est pas loin de la vérité. Oui, mais je ne veux pas le voir dire mon texte. C'est... Ni le mien, hein. Écoutez, je fais la mise en scène. Je m'occupe donc de la distribution, d'accord? Et je voudrais que chacun d'entre vous laisse ses petits problèmes personnels au vestiaire avant les répétitions. D'accord? Alors on enterra l'âge de guerre. C'est exactement ça, oui. Bon, bien, je vais aller parler à Christian, hein. J'ai besoin de lui pour ce rôle. Non, mais j'aurais tout vu, là. Non, mais attendez, vous allez voir que bientôt, Eric va prendre notre pièce comme la sienne. Mais je l'espère pour vous. Ça voudra dire qu'il fait son travail avec cœur. Bah, où tu vas? Je vais prendre l'air, là, il m'énerve. Mais qu'est-ce qu'elle a... Elle dit quelque chose, toi? C'est pas vrai. Ah, Christian! Christian, attends. Qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Écoute-moi. J'ai besoin de toi pour jouer. Dans la pièce de Guillaume et Jérémy. Guillaume et Jérémy? Ça m'intéresse pas. Bien sûr que ça t'intéresse de jouer une semaine devant un vrai public. J'ai déjà joué devant un vrai public. Oui, combien de fois? Suffisamment. Oui. C'est tout ce que tu as à me dire? Oui. Bon. Va très bien. J'essaierai d'expliquer ton refus à Charvet. Attends. Attends. Qu'est-ce que Charvet vient faire là-dedans? Disons qu'il tenait beaucoup à ce que tu joues le rôle de Truffardin. Ah bon? Eh oui. Bah tant pis, hein. Après tout, t'es libre de refuser. Oh bah pardon, elle est peut-être mauvaise cette pièce. Elle est excellente, mais pour le savoir, faudrait la lire. Et c'est quoi le rôle de... Truffardin? Truffardin. C'est un huissier qui vient saisir un théâtre et il se trouve emporté malgré lui dans le jeu des acteurs. Un très beau rôle, très beau. Mais bon... Tant pis. Et je pourrais lire le texte? D'accord, très bien. Eh ben écoute, tu passeras à la pension le prendre, hein? Le temps que je fasse des photocopies. Mmh. 19h, ça va? Très bien,
Très très bien, 19h. Ok. Ah, une dernière petite chose. Si tu acceptes le rôle... Ce qui n'est pas fait. Oui, je t'ai bien dit, si tu acceptes le rôle, je fais la mise en scène de cette pièce. Oh. Et j'entends que règne une certaine cohésion dans mon équipe. Tu sais, si dans la vie je suis une planche pourrie, sur scène, au théâtre, je suis un artiste. Ce qui veut dire que dans le travail, je suis la rigueur incarnée. J'aime te l'entendre dire, Christian. Et j'espère que les faits le confirmeront. Je crois avoir fait mes preuves en tant que comédien, non? Oui. Bon, ah bah, fais les tiennes en tant que metteur en scène. Peut-être qu'on s'entendra. Oh. Pas à la ville. Mais sur scène. Ok. Eh ben, très bien. Alors à ce soir. Hein? Ah, les répétitions commenceront dans 3 jours par une lecture. Ouais. D'accord. Si le rôle m'intéresse, j'y serai. Texte sûr. Très bien. Très très bien. À ce soir. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente pour Eric. Ah, si toi ou moi tu es sûre d'avoir un rôle. Pourquoi tu dis ça? Pour le repos? Ça m'étonnerait qu'il te refuse sur l'oreiller. Oh là là, du calme les filles, là, parlons d'autre chose plutôt. Hein. Hé, vous avez vu Benoît et Julie se sont disputés au café, je crois. Hein? Si, j'ai vu, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ils se disputent depuis qu'ils se connaissent, ils finiront mariés. Moi, il y a bien longtemps que je renonce à comprendre Benoît. Mais Julie, elle est bizarre, non? Elle est jamais amoureuse. À son âge, c'est pas normal. Mais si, c'est normal. C'est parce qu'elle a pas rencontré l'homme qu'il lui faut, c'est tout. Mais bien sûr que si, qu'elle a rencontré quelqu'un. Seulement, c'est impossible. Il a une furie qu'il surveille. Ferrand? Même Ferrand, je me demande si elle l'aime. Oui, enfin, de toute façon, pour faire une histoire, il faut être deux. Et moi, ça m'étonnerait que Ferrand aime Julie. Hein. Quoi? Non, mais Sam, tu es aveugle ou quoi? Il est dingue de Julie. Eh oui. Et qu'est-ce qu'elle attend pour se jeter dans ses bras, pour vivre une malheureuse et intense passion? Bah, elle est raisonnable, c'est tout. Justement, c'est ça qui n'est pas normal, non? Ouais, c'est étrange. Bon, trêve de commérage, les filles. Voilà Eric. Dis donc, doucement. N'allez pas me suivre et me coller comme ça pendant un mois. Non, mais c'est pour t'aider, c'est important! Et puis on connaît mieux la pièce que toi, hein. Oui, ça c'est clair, hein. Oui, mais enfin, je peux tout de même faire des photocopies tout seul, non? Et t'aurais pu oublier une page, hein. Alors là, mon premier Eric, t'es pas sorti de l'auberge, hein. Ouais, bah, qui dis-tu, ouais. Bon, bah, je vais aller bosser sur la distribution, hein. Je vous dirai ça demain. Ouais, ouais, okay. On vous dira ça demain, ouais. Ouais. Ah, attendez, j'y vais. Ah, bah si. Christian, vas-y, entre. J'ai un texte pour toi. Finalement, il a dit oui. Non, finalement, il va lire le texte. C'est tout. Qui tu es, toi, pour dédaigner un rôle? Je ne dédaigne personne. Je suis circonspect quant à la qualité de la pièce. C'est normal, je connais les auteurs. Non, mais Léo! Un débutant, ça doit jouer n'importe quelle pièce au début. Rita, un débutant, ça a le droit de choisir le projet dans lequel il va s'investir. Tu as déjà bien de la chance d'avoir été choisi, toi. Bon, écoute-moi. Une fois qu'on aura commencé les répétitions, ce sera trop tard pour se demander si on a bien fait de choisir tel rôle ou pas. Moi, je réfléchis avant. Je fonce après. Tu parles. Et encore autre chose. Même si la pièce est très bien, peut-être que ce rôle, il est trop difficile pour moi. Et alors là, même un débutant a le droit de dire non. Oui, bon, bah ça va, là, ça suffit. Rita, je suis désolé, mais Christian a raison sur ce coup. Christian, tiens, prends ton texte. Je te dirai ce que j'en pense. D'accord. À demain? Demain, très bien. Mettre en doute tragédie. Il est gonflé, ce mec, hein. On a tous eu des doutes avant de la lire. Oui, c'est vrai. Bon. Eh bien, moi, j'y vais, hein. Je vais aller relire la pièce, tranquillement. Ouais. Ouais. Allez, à plus tard. J'ai dit tout seul, hein. Allez. Merci. Il est nerveux, ce garçon, hein. Vous trouvez pas? Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais toucher le bout de votre doigt et vous m'éblouissez. Comme un ange qu'on voit. Je vous aime. Oh mon Dieu, j'ose le dire en face à votre majesté. Que faut-il que je fasse? Si vous me disiez meurs, je mourrai. J'ai l'effroi dans le cœur, pardonné.
Oh, parle, ravis-moi. Jamais on ne m'a dit ces choses-là, j'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta voix. Ruy Blas, Victor Hugo. Tu connais ces vers par cœur? Ouais, c'est comme un poème. Et toi, tu récites seul? T'es bizarre comme garçon. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir? J'ai besoin de te parler. C'est important. Tu as l'air bien grave. Je suis grave. Oh. C'est parce que ta pièce n'est pas retenue par Charvet? Oh, ça, je m'en moque. Il n'a pas le monopole du goût. Bien alors, que se passe-t-il? Il y a que j'aime. Pour la première fois, et c'est une douleur. Tu ne devrais peut-être pas lire Ruy Blas. Ça influence ton humeur. Non, non, non. Ça confirme mon état. J'aime. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Agnès, je n'ai rien de ces gamins qui envoient 1000 lettres, 1000 poèmes, 1000 roses pour avouer leur amour. Je n'ai pas envie de ces regards qui ne trompent pas. Eh bien, dis-le à celle que tu aimes. Ouais, nous sommes d'accord. Agnès, je t'aime. Moi? Mais tu es fou. Non, je t'aime. Je ne dors plus pour rêver de toi. Je ne viens plus en cours que pour te voir, entendre ta voix. Christian, c'est impossible. J'ai quelqu'un dans ma vie. Rémi n'est pas un obstacle. Pas si tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Christian, je... Est-ce que tu m'aimes? Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Bah, oui ou non. Est-ce que tu m'aimes? Mais on ne peut pas parler de ça ici. Merci. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu ris maintenant? Oh, Agnès, tu n'as pas dit non. Mais je n'ai pas dit oui. Tu n'as rien dit, mais ça m'est suffisant. Il faut que je parte. Non. Attends. De quoi as-tu peur? De Rémi? De moi ou de toi? C'est impossible, je peux pas. Rémi, je crois que je te hais. Mais elle m'aimera. Non. Elle m'aime déjà.